Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, nous sommes à 3. Alors, pour une fois, je suis en cours. Oula. Si vous pouvez... Enfin, si tu peux couper ton portable, je crois que c'est Damien. Donc, je suis en compagnie de Damien. Salut. Et de Kylian. Salut les gens. Donc, aujourd'hui, on fait des patates. Donc on est toujours avec la machine de base du jeu, mais elle est très bien, donc pourquoi changer, hein. Donc il y a donc moi et Damien, on est à la machine à patates, et Kylian qui essayera de nous suivre avec une remorque. Hop. J'espère que tout fonctionne bien, normalement oui, il n'y a pas de raison. Donc, dans le jeu, il est 6h38 du matin. Donc, on commence assez tôt notre journée. Hein ? Bah oui. Ouais. Et ouais. Hop. C'est un petit champ. Ouais. Ça ira vite. Bah ouais. Finalement, mets-toi carrément au fond. Parce que là, ça sert à rien, c'est pour péter, sinon. Ouais, mais là, du coup, j'ai repris et puis après, je vais au fond. Bah, attends, je vais tout de suite dehors. Comme tu veux. Et donc, vous avez donc la vidéo IRL qui est sortie. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. À dire ce que vous en pensez. Parce que c'est notre première, donc. Je pense qu'elle est pas mal, hein. D'après Kylian, tu viens de la regarder, hein. Ouais, moi j'ai bien vu. Puis il n'y en a pas trop non plus sur YouTube, donc... Non. On en fera un maximum. Ah oui, j'ai pas dit, on est sur l'épisode 3 de No Name. Donc, après Goral, c'est No Name, et après Goral, No Name, c'est Rising. Ah ouais, et Clément a un deuxième teaser de Farming 2015. En fait, il est sur la page Facebook de Simulator. Ouais, et le lien est aussi sur la chaîne, donc... Je me disais aussi ça remplissait pas, mais ça vidait en fait. J'avais pas vu que Kylian était à côté de moi. Hop. Donc toi Kylian, qui n'avais jamais joué avant sur No Name, comment tu la trouves vite fait, vu que tu viens de découvrir là il y a quelques minutes? Pour l'instant, je la trouve vachement bien. C'est une petite campagne tranquille. Petite route, petit champ. Je la trouve bien, moi. Peut-être un peu petit, les routes. Un peu, ouais, je sais pas. Certaines, ouais, sont petites, mais il y a quand même des routes où c'est double voie. Enfin, il y en a une pour l'instant que j'ai vue. Ce champ là, il va être torché vite fait, hein, je peux vous le dire. Il y en a d'autres de champs de patates ou pas? Ouais, il y en a un. Ok. Ben... Au pire, on ira au deuxième. Hein. Donc après, dans Farming 2015, ben il y aura évidemment une série sur la map de base pendant, je pense, peut-être une vingtaine d'épisodes, le temps de tout bien découvrir. Et après, il y aura sûrement aussi des maps qui vont sortir, hein, modées. Bon, on verra tout ça. Il y aura du choix aussi, je pense. Parce que je sais qu'il y a des mods qui sortent déjà le premier jour
de la sortie du jeu, donc on verra tout ça. J'espère que les maps vont être aussi belles que sur le 2013, parce que franchement, certaines maps du 2013 elles rivalisent presque le 2015. Niveau graphique, je sais pas ce que vous en pensez. Graphique, pas sûr, mais après, ça dépend des goûts de chacun aussi, les maps. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modeurs. Qu'est-ce que t'allais dire, Damien? Je sais pas pourquoi, mais je suis déçu sur la note de 2015, parce que les teasers qu'ils font, des trucs sont vachement bien faits. Ils les rendent aussi bien graphiquement, je pense que ça va être assez dur. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, d'avoir. Ouais, mais enfin, après le teaser, il peut y avoir du Photoshop aussi là-dedans. Hein. Bah, c'est bien pour moi. Ça va pas être quelque chose d'exceptionnel. Bon, tu regardes des vidéos de YouTube de la Gamescom là, c'est y a rien de refait, donc tu peux voir vraiment le jeu comment il était, quoi. Et il est vraiment comparé au 2013, la map de base, y a rien à voir, quoi. Déjà, le gros plus de 2015, c'est vraiment les rétros. Hein. C'est ce qui manquait le plus, je trouve. C'est vrai que ça va être vachement utile, les rétros. Ça va changer complètement le réalisme. Ouais, après, reste à voir les vues intérieures aussi des véhicules, parce que... Dans le On a 2000. vu un peu dans les vidéos YouTube de la Gamescom, on a vu un peu l'intérieur, ça a l'air plutôt pas mal, hein, franchement. Ouais, mais parce que les véhicules de base, là, comme vous voyez, la machine à patates, franchement. Parce que même. Désolé, j'ai mis dans toi. Ouais. Parce que même dans le 2013, les véhicules de base, franchement, l'intérieur est pas fantastique, hein, y a rien qui a été vraiment. Ouais, c'est ce que dans le 2015, on voit vraiment que c'est vraiment des trucs nets, qu'il y a tous les instruments et tout, presque. Ouais, après, on disait aussi hier dans l'épisode de Goral, c'est que les textures des cultures ils ont changé, mais tu disais qu'il y avait. Oula, tu disais qu'il y avait des. Qu'est-ce que tu disais hier? Je sais plus. Que dans les cultures du 2015, ce sera pas tout étalé partout pareil, les cultures, on verra quelques trous entre certaines textures de... Après, ça peut être réaliste aussi, parce que des fois, dans des champs qui ont été mal semés... Ouais, mais non, mais normalement, d'habitude, c'est uniforme, enfin... Ouais. Tandis que là, enfin, c'est... Quand tu regardes, par exemple... En vue du ciel, que tu regardes droit vers le bas, désolé, tu vois les textures et tu vois des trous entre les textures, des espaces vides. Ouais, donc c'est mal Là, fait, quoi. Pareil, mais sauf que ça se verra plus. Et après, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Il y a déjà certains modes qui font ça, mais c'est vachement joli, je trouve. C'est comme ce que je disais à Kylian hier aussi dans l'épisode de Goral, c'est que les... Tu vois, Damien, quand tu baignes dans une remorque, tout est plat, quoi. Et tandis que si tu avances, si tu vides plus vers l'avant, si tu veux, il y aura un gros tas vers l'avant, mais rien vers l'arrière. Ce sera ça dans le 2015. Tu vois, j'ai fait le relief de ta trimming, quoi. Ouais. Ouais, donc ça fait encore un truc de réaliste en plus. Réalisme en là, plus. Tout est étalé direct dans ta remorque, parce que là c'est toi qui devrais aider toi-même. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Ouais.
Niveau bête, je crois qu'ils n'ont rien changé. Non. Niveau bête, c'est vrai que ça reste vache. Peut-être qu'ils ont amélioré un petit peu le graphisme, mais bon, rien de fantastique. Non mais bon, je sais pas, après, il y a certains qui disent, mais qu'est-ce que vient foutre le bois dans un farming, quoi. Ouais, non mais c'est vrai aussi, hein. C'est une forêt, quoi. Après, Un peu dans les mêmes trucs, je pense qu'ils ont mis dans ça va y avait. Je vois. ouais, mais dans ce Moi, je cas-là, sais pas. tu peux aussi faire des travaux publics ou des trucs comme ça, quoi. Mais après, Bon, les fans de ferme, en général, ils se lassent pas de toujours faire la même chose, hein. Non, bien sûr. Bah, ils ont mieux changé. Bah non, et puis tu peux changer de culture, je sais pas, c'est pas tout le temps pareil quand même. Enfin, ça reste les mêmes. Tiens, en parlant de culture, peut-être que ils auront peut-être mis des nouvelles cultures, genre tournesol et coton aussi, peut-être, on sait Je crois pas. Je crois que j'ai arrêté de voir des vidéos du tournesol. Ouais, vous avez Mais je entendu pense pas. parler de ça. Ouais? Ouais. Mais je sais pas s'ils ont mis ça au point ou comment ça se passe. Ah, moi j'ai pas entendu. Mais bon, après, moi j'entends pas tout non plus. Mais sur YouTube, si vous tapez Farming Simulator 2015, vous trouverez des vidéos de la Gamescom où vous verrez des joueurs qui ont essayé. Et... Non, vous verrez plein de trucs, quoi. Bah, y a, je sais pas si vous connaissez Jouons dans le pré. Il a été à la Gamescom et ils disent que bah y a des points positifs, mais il y a des points aussi négatifs, quoi. Parce qu'après le multijoueur, pardon, le multijoueur, je crois pas que ils l'auront amélioré beaucoup, quoi. Mais après, il y aura forcément des trucs négatifs. Comme dans tout jeu, de toute façon. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui veulent Quand tu vois jeuxvideo.com qui met une note de 10 sur 20 à Farming Simulator 2013 quand même. Ah ouais. Je sais pas si toi t'aurais mis 10, mais Non, moi j'aurais mis 15, quoi. 16, 17. Ouais, c'est 17. C'est pour ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être, quoi, comme Agriculture Simulator 2013. Il n'y a que moi qui l'ai acheté, je crois. Comme un con, parce que j'ai allumé le jeu, le machin, il buguait de partout. Je l'ai installé, il buguait, quoi. J'ai perdu 30 euros. Il est assez puissant en plus pour la route. Bah ouais. Je comprends pas. Je regarde les champs maintenant. Il est au champ 12, je crois. Tiens, Va plus tu loin. peux nous suivre, Damien. On est juste sorti du champ à gauche, à Mais loin droite. devant, c'est toi qu'on attend. Ah d'accord, ok. J'avais pas vu. D'accord. Cette machine, elle va à 25. 25 maximum. Je me mets à 23 pour vous attendre. Ça fait Ça va? plaisir, hein, de faire une petite vidéo à trois. Ouais, vous l'avez pas trop? Non, enfin moi je suis à ouais, 100 ms quand même. Donc il y a des petits. Enfin c'est. Moi je suis à 70, 80. Moi je me mets en vue intérieure comme ça on voit pas trop que je lag. Mais hier franchement Kylian sur Goral, j'ai pas lagué un pet. Ah ouais? C'était nickel. J'ai une connexion en béton alors. Ouais, après c'est suivant. Je crois que c'est celui-là, ouais. Ok, alors moi je vais aller où? Tu vas en bas, Damien? Non?
comme tu veux. Similaire. Une remorque. Tu peux peut-être aller mettre un ouvrier pour la moisson, Kylian? Parce que sinon, on n'arrivera jamais à tout faire, les champs de blé. L'ensilage ou la moisson? La moisson. Parce que l'ensilage, il peut pas le faire tout seul, le pauvre. Ouais, mais je le mets où, Dans n'importe quel champ, tu trouves un champ et puis tu le mets. Et Clément, t'es obligé de faire le découpage, hein, ça sert à rien. Des bombes. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais reculer du coup. Tu peux y aller hein, dans cette rangée-là. Je recule. Numéro du RI. C'est la même culture, fait chier. Quoi? Et il ramasse pas la culture, il faut une remorque pour vider. Normalement, je crois que t'en as une à la ferme. Sinon, bah, tu prends une qui est prévue pour un CH qui est vide. Bah, y a une qui est pleine. Tu vas où est ça? Bah, pire, va dans la machine à patates. Attends, là, je suis avec. Ouais, au pire, laisse Damien Non, faire. je suis avec un fan, là, je vais prendre une remorque. Ok. Dans le cul, il y en a une de libre. Bah, regarde, là, tu trouves pas sinon. Non, je regarde si ça va. Là, il y en a une. Ouais, bah, prends-la. Réinitialiser. On peut pas. On peut pas. On peut pas y aller au matin. Ouais, ça c'est un peu bizarre, mais sur cette map on n'arrive pas à réinitialiser. Allez au champ 17, bah, allez juste à côté de vous, mais je sais pas si elle est pleine ou pas. Non, je crois que. J'arrive. La si elle est vide, vu qu'en fait il y avait les pleines 828, vu que je suis cliné, bah, allez beaucoup. Je vais la chercher. Il passe un peu à travers tout. Ouais, c'est pas grave. Je vais le champ. Combien j'avais dit? 17. Est-ce que nous, on doit être dans le 18, un truc du genre? Non, vous êtes dans le 15, je crois, ou le 12. 15. On passe à travers presque tout. Ouais, c'est pas comme chez Argoral. Ah ouais, on passe pas à travers les endroits. Non, rien du tout. Tu veux bien prévenir. Bon, s'il y a 2-3 trucs que tu dois passer quand même, mais. Genre les armes? Non. Non, non, pas les armes. Mince. Merde. Bon, comme je vais devoir prendre la route. Là, vous pourrez plus couper à travers champs, hein, parce qu'il y aura des barrières et tout. Ouais, oui. Ah, ouais, clairement, on va vous éviter la base. Ouais, vous pouvez. Elle est pas mal. Je pense bien, on va vous un peu. Bah, un peu comme No Name en fait. Vous avez les mêmes goûts de map. Ouais. C'est ça. Est-ce que les cochons ça marche ou pas? Dans le Goral. Je n'ai pas essayé. Non. On n'a pas essayé encore. On devrait voir. Genre la poissonneuse elle est où là? Oh putain elle est loin. J'ai l'impression que ça avance pas je crois. Oh si, ça avance. Voilà. Ouais mais c'est comme ça. Peut-être ils l'auront agrandi cette barre de coupe là pour le 2015, je sais pas. Mais vous pouvez pas l'élargir le truc? Non. Y'a pas un bouton pour l'élargir? Non, Non, c'est. j'ai. Non. Ouais, mais c'est un mode. Ah.
Je vais peut-être faire un peu autre chose, moi, parce que ça fait du coup 20 minutes qu'on tourne là et que je fais des patates, donc. Je vais peut-être faire un peu de moisson. Bah, je te rejoins à la moissonneuse. T'es loin là? Ah non, t'es pas loin. Juste un champ d'ici. D'accord. Sinon, Kylian, t'as les balles à finir de faire aussi. Ballon. Si tu veux. Oui, il y a plusieurs champs à faire d'ailleurs. Il faut les ramasser, ça c'est le. C'est bon. T'es sûr? Oui. Hop, je suis parti. Je te mets le tracteur. Ah bah non, il faut que j'aille vider ça. Ah oui, mais ça c'est du colza, ça. Ah, c'est du colza. Bah moi j'ai du blé dedans. Donc faut que j'aille vider où à ta ferme? Tu veux, ouais, à côté de la ferme, t'as un entrepôt et du vivier. Bah, tu peux pas rater les normes, je comprends les niveaux. Ouais. Un gros bâtiment là. Ouais. Ouais. Bah, il y a une remorque jaune sur le PDA. Ah bah ouais, deux remorques jaunes. Ouais, une ou deux. D'accord. Je ramènerai les machines après à la ferme. Et peut-être tu continues l'ensilage. Ouais, on continuera l'ensilage hors cam. Ouais, ou d'Argoral un peu. On verra. Ah oui, non, ça va être chaud. C'est pas grave. Au moins, on aura nos names, on sera à 3. Tracteur en chemin. Ouais. Ah bah ouais. Et je vais faire les rounds. Ouais, si tu veux, ou alors les ramasser, mais je sais pas dans quoi t'es meilleur. Parce qu'on a des rounds de foin ramassés et on n'arrive pas. Les rounds sur ramassage, je suis pas top non plus. Ah bah tu peux les faire alors. Ouais, t'as dû utiliser la rondelleuse ou quoi? Parce qu'il faut aussi pour lever le pied avant Oui, et mais accrocher le ouais. cardan. On a fait Ok. ça hier sur Ok. Goral. Sauf qu'il était déjà levé, comme c'est dans la paille, je ne pouvais pas voir. Je lag un peu quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Donc sinon t'as fini le champ de patates, Damien? Et Kylian t'as trouvé la presse, ouais. Donc du coup tu fais le champ qui est juste à côté de moi, hein, je pense. Ouais, bah là je finis celui qui était en train d'être fait là. Et après j'arrive à celui de côté de toi. Tu peux vider les deux machines, Damien? Ah ouais, ça me fait.
Ok. Bon, j'arrive. Moi, je suis à 55%. Du colza, ça donne pas grand-chose. Hein. Bah non, ils sont plus chers aussi. Ouais, ça paye cher après. C'est vrai. Ah, je crois qu'on a une vue niveau remorque. Pourquoi? Ah, elle va être pleine. Je veux dire, on est quasiment rempli le canon. Regarde qu'on a un peu Non, moi j'avais les 60%, je crois, ou je sais plus. de temps. Ouais, bah c'est là que je vais remplir à 100. Je fais 80%. Donc cette moissonneuse là, c'est une. Je crois que c'est là on l'a de base sur la map d'ailleurs. Oui, bah c'est une bête. Ouais, c'est une dette. Même sur la map aussi, ouais. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, je sais plus si je l'avais dit. Vous savez, l'icône qu'on avait dans le premier épisode, en fait, c'est un icône qui achète tous les champs de la map. Donc, comme ça, c'est pratique. Du coup, tu payes cher, non? 500 000 euros, je crois. Et en fait, on a déjà quelques champs à toi avant. On Ouais. va pas gagner d'argent. Tiens, d'ailleurs, ici on a encore un champ de maïs, c'est fait. Et donc après, ben, on va attaquer quand on aura tout fini les moissons et tout, on va attaquer le cultivateur. Oh la charrue. Ou la charrue, ouais, mais je pense que c'est mieux le culti. Je sais pas lequel vous êtes plus à l'aise, vous, entre le cultivateur et la Non. charrue. Moi je choisis bien l'un que l'autre, mais la charrue prend plus de temps. Bon, alors j'ai. Ah bah, je crois que je vais faire juste une trémie avec le champ. Je vais essayer de finir le champ. Et donc après on arrêtera parce que là on est déjà à 28 minutes. Comment ça passe vite? Ah putain, il me restera une ligne à faire, je crois. À moins que j'arrive à tout mettre dedans. 95%. De toute façon, plus vite. 96, ouais. On a 17. Hop, il me reste juste un peu là. Si ça, c'est pas calculé. Regardez, il me restait juste un tout petit bout, mais je pense que je vais le laisser. Façon, avec tout le. De toute façon, on a de l'argent. Hein. Je vide. Et puis on va se laisser là, les amis.
Donc ici on a encore de l'ensilage, donc vous voyez c'est ici qu'on a tous les bottes à ramasser. Après donc ici c'est le fen. Donc là t'es où Damien toi? Ah ouais d'accord. Bon ben voilà. Hop, il reste 10% dans ma mousse bête. Tech c'est bon. Bon bah voilà les amis, sur ce on va se laisser là, ça fait une demi-heure déjà. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, la commenter aussi pour donner vos avis, c'est assez important pour nous. Et voilà. Bon allez à plus tard les amis, salut. Salut Kylian et Damien aussi d'ailleurs. Salut. Salut.